Grâce à Dieu, nous avons enfin pu laver ce déshonneur. C'était un beau mariage. Très beau. Idiot. Ils sont en paix. On a réglé ce problème. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler le problème avec Farouk. Et on aura lavé ce déshonneur aussi. Voilà une bonne chose de faite. Mission accomplie. Bon, moi je vais aller dormir. Tu devrais y aller aussi. Non, j'ai commandé de la soupe. Ok, moi je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, ma fille. Tu vas te coucher ? Oui, bonne nuit. Kamal, tu veux bien m'aider ? Désolé, j'ai les mains pleines. Tu peux ouvrir la porte ? Salut. Où tu vas? Je vais boire, quelque part. On dit pour le meilleur et pour le pire, hein? C'est ça. Hein? Pour le pire, ce soir. Donne-moi ça. Attends, je t'accompagne. Qu'est-ce qu'il y a? Si j'avais mon saz là, j'en jouerais. Elle me dit que... personne ne peut m'aimer comme...
Karim ! Hé, hey mec, où t'étais passé ? Je t'ai cherché dans tous les coins de cet hôtel. Ils dorment pas encore ? Allez, Kamal, lève-toi. Kamal ! Hé ! Pourquoi t'es allongé là ? Il s'est senti mal. Je lui disais d'aller se coucher. Kamal ! Reste pas par terre comme ça. Lève-toi de là, allez, allez. J'allais t'appeler pour venir m'aider. Hein? Quoi? Mon frère, t'es tombé dans les pommes? Kamal, lève-toi, allez. Reste pas là, je te raccompagne à ta chambre, ok? Mais lève-toi, s'il te plaît. Il est complètement déchiré. Il a trop bu. Allez. Ah, j'arrive pas à le soulever. Kamal. Karim, donne-moi un coup de main, il est lourd comme un âne mort. Allez, le marié, lève-toi. Allez, allez, vas-y, lève-toi maintenant. Soulève. Allez. 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 Maudit soit le marié. Allez, vas-y. Allez, soulève-le. Maudit ouais, soit je le sais. Marié. Non, non. Mais il est sous, il va se noyer. C'est pas profond. On peut se noyer même dans une piscine pas profonde. Attendez, on va lui demander. Dis-moi, est-ce qu'elle est profonde? Non, mais elle est bonne, c'est vrai. Ça va, tu te sens mieux? Pas mal. Sors de là. Allez, viens, allez. Fais un tour de bassin avant. Donne-moi la main. Allez, viens. Tirez-moi de là pour m'aider à sortir. Aidez-moi. Aidez-moi. Non, Kamal, non, non, non! Mon téléphone! Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Fais voir. Il est mort! Espèce de malade! Non, mais c'est pas quoi? Vrai! Arrête! Est-ce arrête, qu'il vaut plus que moi? Tiens, Ali, prends-le, s'il te plaît. Voilà. À toi, Kamal! Non, arrêtez! Mais arrêtez! C'est bon, ça suffit. Tiens, ouais. Kamal! C'est pas vrai. On arrive pour t'aider. Non. Attention, j'arrive. Attention. Et voici la bombe dans la mort. Faites moins de bruit, sinon la sécurité va arriver. Qui ça dérange? On s'en fiche. Faites moins de bruit. Monsieur de la sécurité, venez nous rejoindre. Venez, venez. Ok, il est toujours sous. Tu es sous complètement. Qu'est-ce que tu as dit? Mais non, Kamal, arrête. Qu'est-ce que tu Écoute, as dit? Arrête. Non, Kamal. Non, non. Et toi, où est-ce que tu vas? Non, hey, ça suffit, où lâche-moi. Est-ce que tu vas comme non. ça? Non. Viens là. Arrête. Viens. Non. La chambre de monsieur ne répond pas, madame. Ah bon? Mais comment ça?
Il est foutu, mais je t'en achèterai un neuf. C'est pas grave, donne-le-moi, allez, donne. Donne, donne. Non, lâche, lâche, hey. Arrête, ça suffit. Fiche-moi la paix. Chut. Arrêtez de crier ou on va se faire virer de l'hôtel. T'es un homme, pleure pas pour un portable, hein. Pleure pas, mon pote, il va sécher. Non. J'espère que personne ne va nous voir comme ça. Pourquoi ? On est juste un peu mouillé. On dira qu'on a eu chaud et qu'on a pris une douche. Une bonne douche. Hein ? Hein ? Hein ? Allez, venez, je gèle. Bon, allez, les gars. Hé, hey, mec, attends. On y va. Le mien était à côté. Celui de Jamila était dans son sac. Et Ali a enlevé sa veste avant de sauter. Et toi ? Toi ? Toi, tu es le seul crétin à avoir plongé dans l'eau avec ton portable. Le crétin. C'est clair. Le crétin. Des affaires, Kamal, des affaires. Allez, viens, on y va. Ils vont se demander qui a pu pisser autant. L'ascenseur est carrément inondé. On dira que Karim a eu une envie pressante. Oh, je suis gelée. Mais qui t'a demandé de sauter dans une piscine en pleine nuit, Jamila ? T'es malade. Oh non, sérieux, sérieux. On va finir par réveiller tout le monde. Oui, mais c'est normal. Personne doit dormir ce soir. C'est important. C'est la fête. Kamal Tekinoglu s'est marié. Personne ne dort. Personne ne dort. Tout le monde doit entendre à quel point on s'amuse. Arrête un peu. Tout le monde doit être témoin de mon bonheur. Je suis marié. Oh ! Mais écoutez, pas moi, Kamal. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et encore sous. Il a bu comme un trou. Sa vie est ruinée, mec. Bien sûr qu'il a bu comme un trou. Mais n'en rajoute pas, Ali, s'il te plaît. Oh, je rajoute rien du tout. Je me suis retenu toute la soirée de pas frapper l'oncle et le père de Salma. Si je l'avais fait, là, t'aurais pu me reprocher d'en rajouter. Qu'est-ce que tu fais ? Non, ça s'ouvre pas. Ils ont fait de lui un clown. Tu parlais de ton téléphone, mais regarde-moi, ma clé est cassée. Mais non, et celui-là, c'est tout. Oh mon Dieu, c'est pas bon, vrai. Moi, j'ai froid. Bonne nuit. Reste pas mouillé. T'es déjà minuscule. Il faut pas que tu rétrécisses. Bonne nuit. Toi aussi, Jamila. Ça marche pas. Je suis enfermé dehors. Je vais devoir dormir avec vous. Restez, s'il te plaît. Non, ça s'ouvre pas. Regarde, regarde. Regarde. Je vais devoir passer ma nuit de noces avec vous, bande de vénards. Je prendrai pas vos lits, vous inquiétez pas. Je vais prendre le canapé. Non, pas question. Je te laisse mon lit, Kamal. C'est toi la victime aujourd'hui, c'est bien normal. Est-ce que t'as la clé ? Ah, je suis trempé jusqu'aux os. Après vous. Bienvenue, monsieur.
Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Au risque de te décevoir, non. Pas de problème. Que veux-tu qu'il y ait ? Ok. Ne sois pas sur la défensive. Et comment était la fête ? Pas mal. Est-ce que... cette fille est bien pour Naïl ? Quelle fille ? Djamila. Est-ce qu'elle est assez qualifiée pour être l'assistante de Naïl Katmanoglu ? Ne rigole pas. Je suis très sérieuse, enfin. Elle est incompétente dans plusieurs domaines. Et si on l'a remplacée par quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? Est-ce que Djamila est de nouveau une menace pour ton couple ? Tu dis n'importe quoi. Moi, je pense juste au bien de l'entreprise. Ah, au bien de l'entreprise. Sérieusement, ta société ne me regardait pas jusqu'à ce que je sois associée. Donc maintenant que je suis concernée, j'ai le droit de tout faire pour protéger nos intérêts, non ? Ou tu ne crois pas que j'ai le droit, c'est ça ? Je comprends, tu as raison. Mais Djamila est l'assistante de Naïl. Et on n'a pas le pouvoir de la renvoyer ou de la remplacer. Surtout, sans aucune raison valable. Je suis fatigué. Bonne nuit. J'ai les dents qui commencent à claquer, Kamal. Dépêche-toi ! Ce maudit cintre ! Oh. Kamal ! Ouais. Oh. Oh. Karim, j'espère que l'eau de la piscine n'abîme pas les costumes, hein ? Hein ? Il faudra les emmener au pressing, de toute façon. Parce que moi, j'ai qu'un costume, alors s'il est abîmé, je vais porter quoi à ton mariage ? Laisse tomber ton portable. Il n'y a plus d'espoir. Ah, nom de Dieu ! Kamal ! Je meurs de froid, là ! Hé, Kamal ! Ouvre la porte et passe-moi une serviette ! Ah, je caille ici ! Karim ? Je peux te prendre ta serviette ? Elle est mouillée. Ah, c'est vrai ? Mince. Alors, je prends ça. Voilà, il va utiliser l'autre serviette de toute façon. Et moi, j'aurai rien. Karim, je vais lui laisser mon lit. Mais au moins, il y a un oreiller en plus, hein ? Karim, sinon, tu peux aller en chercher un à côté ? Bah quoi ? Moi, je peux pas sortir comme ça. Je suis à moitié nu. Va demander à Djamila. Ok, je vais y aller. Vas-y. Parce que si j'appelle la réception, ils vont comprendre qu'on est plus que deux ici. Kamal, sors de là ! Karim, demande-lui une serviette aussi. Djamila ? Djamila. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des serviettes en plus ? Oui. Tu peux nous en donner ? On n'en a pas assez avec Kamal qui est resté avec nous. Je vais les chercher. Et un oreiller aussi.
J'ai pris l'oreiller. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me fixes du regard? Quoi? Tout à l'heure, je t'ai observé près de la piscine. Et? Beaucoup de choses ont changé. La faute à qui? Jamila. Karim. Il faut que je te dise que je suis toujours jaloux. Ah oui? De ceux qui t'approchent. Je connais ton regard quand tu aimes. Et qui je regarde comme ça? C'est moi. Même si tu essaies de t'éloigner de moi, je le vois encore dans tes yeux. Il y a trop de distance entre nous. C'est comme ça que ça doit être. Serais-tu perdu? Je suppose. Tu regrettes de m'avoir quitté? Tu aimerais que ce soit le cas? Tu trembles, tu devrais enlever ça. Maintenant? Tu n'arrives pas à m'oublier. Tu essaies, mais tu ne peux pas. Je te manque. Oui, c'est vrai. En fait, tu penses encore à moi parce qu'on n'a pas couché ensemble. Tu voudrais que je te pardonne. Que je te pardonne au moins pour cette nuit.
Allô? Chérie, je te réveille pas, j'espère. Non. J'attendais ton appel. Le mariage est terminé? Oui, on est rentré à l'hôtel. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tu as eu mes messages? Non, je les ai pas eus. J'ai pas eu tes messages, mon téléphone est mort. Ces ivrognes m'ont poussé dans la piscine, donc du coup... Mon portable était dans ma poche, il est mort. Ces ivrognes, tu dis? Oui, Kamal et Ali. Ils ont beaucoup bu au mariage. Et ils ont continué à s'amuser quand on est rentré à l'hôtel. C'est des vrais gamins quand ils boivent. Et là, mon téléphone est mort. Comment était le mariage? Il y avait du monde? C'était un spectacle ridicule. Des gens grossiers, du bruit partout, des danses folkloriques. Une ambiance pourrie, quoi. C'était très ennuyeux. C'était une torture et en plus, on pouvait pas partir avant la fin, vu qu'on était des invités. Oh, mon pauvre. J'ai cru que ça ne se terminerait jamais. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Ouais. Oui. Tu m'as manqué aussi. On rentre demain après-midi. Je passe chez moi et après je viens te voir, d'accord? Je pensais que tu serais là pour la réunion demain matin. Non, c'est impossible. Désolé, mais tu iras sans moi. C'est pas grave. Je vais gérer. Tu devrais aller dormir. Tu as une réunion demain matin. D'accord. À demain, ma chérie. À demain. Je t'aime, Nadia. Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment Jamila s'est mouillée? Pas plutôt dormir. And there was another interest which is to... DJ'ler kulüplere götürüp onlarla oynamaya başladılar. Bu şey insanlar anlamadı ne oluyor dediler ve... Hadi bir sorun o. Nasıl? Başardım değil mi? Elle dit que personne ne m'aimera comme elle-même. Pauvre de moi, j'ai trouvé une perle. Mais je vais te dire, elle m'aime comme ma mère. Elle m'aime comme Karim. Autour de moi, tout est mensonge. Tout est faux. En tout cas, pas moi. Surtout pas mon amour pour toi. Moi, j'aime vraiment l'homme que tu es, Kamal.
Jamila. C'est moi qui ai acheté le sas. Je t'aime tellement, Kamal. Allô? Bonjour, maman. Bien, et toi? Non, je suis déjà réveillée. On va prendre la route à midi. Ça, non. C'est pas possible. Maman, s'il te plaît. Une minute. Bonjour. Bonjour. Tes vêtements n'étaient pas encore secs. Je les ai donnés au personnel pour qu'ils les sèchent. Je vais mettre ça dans la housse et je l'emmènerai au pressing en arrivant. Ils ont dit qu'il fallait la rendre propre. Regarde-moi. Lâche cette robe. Si j'ai accepté de participer à cette mascarade, c'est uniquement pour avoir la paix à la maison. Et juste pour que tu puisses porter la robe blanche que tu voulais. Si j'ai accepté cette mascarade, c'est pour que mon père me laisse tranquille. Pour que tu reparles à tes parents et pour que tu me laisses tranquille. Ta famille devrait être reconnaissante envers mon père pour m'avoir obligé à revenir. D'accord? Parce que de moi-même, tu sais que je l'aurais jamais fait. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont vu leur fille se marier dans une robe blanche. Mais le spectacle est terminé maintenant. D'accord? Maintenant, je veux plus jamais avoir de problème avec ta famille. Je veux plus jamais revoir leur visage. Est-ce que c'est bien clair? Tu pourras les revoir quand tu veux. Tu es libre de revenir. Mais je te demande juste une chose. N'essaye jamais de me réconcilier avec ta famille. Jamais. N'essaye même pas. N'essaye même pas de me forcer. Je veux plus faire semblant. D'accord? Compris? Ne me pousse pas au-delà de mes limites, s'il te plaît, Salma. Ne t'inquiète pas. On a eu en cadeau un total de 14 pièces d'or. Ça fait de l'argent. Pourquoi tu me dis ça? Ça m'intéresse pas. Parce que ces pièces sont à nous deux. On doit décider de ce qu'on va faire. On les échange ou on les garde? C'est à toi. Fais ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment connaître mon avis, je vais te le donner.
peux les garder. Peut-être qu'un jour,